Bonsoir à tous. Merci à tous pour votre présence et d'avoir affronté la neige hier et la pluie ce soir pour être parmi nous. J'écris ProbonoLab en 2011 avec Antoine Colonna d'Istria et Johan Cassivivier. Et je suis ravie aujourd'hui d'ouvrir la première soirée 2018 de ProbonoLab, en plus en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme certains d'entre vous le savent, j'étais en charge pendant ces deux dernières années de développer l'antenne régionale de ProbonoLab. Et je passe aujourd'hui la main à Clémence, qui va animer le reste de la soirée. Clémence Vulcard, qui du coup, avec Joris Cornu, Daphné Guvenc-Cesaré et Margot Lacoste, forme la belle équipe de ProbonoLab ici sur la région. J'ai eu vraiment un grand plaisir à travailler avec eux pendant deux ans. Donc, je les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'on a pu faire ensemble. Et je vogue maintenant vers de nouveaux horizons, puisque je serai en charge désormais du développement territorial de ProbonoLab sur l'ensemble des régions en France et donc sur l'ensemble des territoires, les villes, la campagne et la montagne qui me tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup à Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui nous fait un très bel accueil, à la fois en termes de standing et aussi également très chaleureux, aussi bien Maxime à l'accueil que ici le régisseur, donc merci beaucoup. Je remercie également l'ensemble des soutiens de cette soirée qui ont relayé l'invitation, le Centre des jeunes dirigeants, la Fondation EY pour les métiers manuels, la Fondation Groupe EDF, également Unicité Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation Émergence et enfin Microdon. Nous sommes heureux de vous accueillir nombreux ce soir pour célébrer l'engagement citoyen et sachez qu'on n'est pas seul ce soir, pas totalement, puisqu'en Inde, nos collègues font partie du sommet international du pro bono et donc célèbrent avec des personnes qui viennent de quatre coins du monde l'engagement citoyen sous toutes ses formes. Je vais maintenant laisser la parole à Pascale Aymard, directrice institutionnelle et partenariat de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette soirée. Merci Pascale. Bonsoir. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes l'entreprise Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui vous accueille ce soir. Nous sommes ravis de vous accueillir, ravis d'accueillir une association importante qui prône l'engagement citoyen et qui est à vocation sociale. Et ça nous parle beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi. Donc soyez les bienvenus, profitez de votre soirée, de nos espaces. Et puis on espère qu'ils seront favorables à des échanges fructueux pour vos travaux. En deux mots, puisque j'ai un temps qui est compté, c'est bien normal, puisque ce n'est pas le sujet essentiel ce soir, vous dire que Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un assureur mutualiste qui fait partie du groupe Groupama. Nous sommes ici sur la région, alors nous on dit Auvergne-Rhône-Alpes parce que depuis 15 ans on est baptisé Auvergne-Rhône-Alpes et pas, enfin Rhône-Alpes Auvergne et pas Auvergne-Rhône-Alpes comme vous. Nous avons ici au siège sur la région 12 départements. Nous travaillons sur 12 départements, nous avons 2000 collaborateurs et la particularité c'est que nous avons surtout 5800 élus mutualistes. Donc nous sommes un groupe mutualiste à double gouvernance exécutive avec une direction générale et institutionnelle, comme on le dit, c'est-à-dire deux personnes de la société civile, comme vous et moi, qui sont élus de la base dans nos caisses locales. Nous avons 400 caisses locales sur la région et qui évoluent dans la pyramide mutualiste des responsabilités pour exercer des mandats d'administrateurs, d'abord locaux, ensuite départementaux et régionaux. Ils administrent une entreprise qui a un chiffre d'affaires ici dans la région d'€1 milliard, qui est un assureur généraliste qui assure tous les marchés. Nous sommes leaders sur l'assurance agricole, un peu comme nos cousins du Crédit Agricole, et l'assurance des collectivités territoriales. Nous assurons énormément de particuliers. Nous avons 600 000 clients sur la région. Donc la particularité dans un groupe mutualiste comme celui-là, c'est que nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Nous avons des administrateurs qui définissent les orientations, contrôlent la structure et qui sont élus par la base, par les sociétaires, chaque année, enfin tous les deux ans plus exactement, en assemblée générale. Donc c'est un modèle économique particulier, franco-français, on le voit assez peu ailleurs, qui existe dans la banque et l'assurance. Voilà, donc nous, votre thème nous plaît beaucoup et il nous parle parce que nous sommes un assureur de proximité, très très ancré sur les territoires. Je vous l'ai dit, on a 420 caisses locales, on a aussi 320 agences commerciales qui sont réparties sur 12 départements et qui travaillent au plus près de la population. Groupama
à une politique d'ancrage et d'engagement sur les territoires qui est très importante. Nous sommes un des plus gros investisseurs de la région sur l'ancrage territorial et le développement économique et social des organisations de la région. À ce titre-là, on a une politique très volontariste avec aujourd'hui un portefeuille de 150 partenariats sur la région. Ce sont des partenariats économiques ou des partenariats sportifs ou de mécénat culturel ou socio-éducatif également. Et nous travaillons évidemment énormément sur le thème de la réussite des projets territoriaux, quelles que soient les institutions, et sur l'engagement citoyen de nos collaborateurs. Nos collaborateurs sont pour beaucoup déjà engagés dans des associations socio-éducatives sous forme de tutorat, par exemple avec une association voisine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sport dans la ville, qui fait de la réinsertion d'adolescents et de jeunes entrepreneurs par le sport. Et donc là, nous avons une vingtaine de cadres de l'entreprise, pour illustrer mon propos, qui sont des tuteurs, des parrains de ces jeunes qui sont accompagnés jusqu'à l'âge adulte dans la vie active. Voilà, c'est un exemple, nous en avons beaucoup d'autres, mais voilà, c'est un thème qui nous va bien, donc on vous accueille encore avec plus de plaisir. Il correspond à notre ADN, à nos valeurs, à notre action quotidienne aussi et à nos ambitions. Donc nous ne faisons pas de l'assurance comme tout le monde, mais nous sommes très engagés sur les territoires, aussi bien dans le domaine économique que social, et dans le domaine de la prévention des risques également, puisque même si nous sommes, comme tous les assureurs, engagés pour régler des sinistres et des accidents, nous investissons énormément pour prévenir les risques avant qu'ils ne surviennent. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais vous laisser travailler. Nous hébergeons aussi la Fondation Émergence dans nos locaux et nous sommes ravis de les abriter. On espère qu'ils sont bien installés. Puis on vous souhaite de profiter beaucoup de votre soirée, de vos échanges et puis d'un moment convivial à la fin de votre réunion. Voilà, merci beaucoup et bon travail. Merci beaucoup, Madame Aymar, pour cette belle introduction. Bonsoir à tous. Je suis Clémence Vulcard, directrice Auvergne-Rhône-Alpes de Pro Bono Lab. Je devrais dire toute nouvelle directrice, puisque j'ai pris mes fonctions il y a à peine un mois. Alors, c'est un privilège pour moi de représenter Pro Bono Lab dans notre région. Un privilège, mais aussi un beau défi, puisque je prends la suite d'Émilie, cofondatrice du Lab, mais aussi talentueuse ambassadrice du Pro Bono. Donc je vais essayer, comme elle, de mettre toute mon énergie et ma créativité au développement du Pro Bono dans notre région. Avant de commencer la soirée, je voulais simplement vous parler des photographes qui sont parmi nous dans la salle. Donc il s'agit d'un collectif qui s'appelle les Flous Furieux. C'est un collectif qui se compose d'auteurs qui, en raison d'une singularité, se retrouvent généralement à la marge de la société alors qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Et le collectif leur propose de s'approprier des outils multimédia pour construire un nouveau regard sur notre société. Du coup, n'hésitez pas à aller à leur rencontre pendant la soirée. C'est un très beau projet qu'ils portent et nous sommes ravis de les avoir parmi nous ce soir. Alors, je vous parlais de ma récente arrivée, mais je ne suis pas la seule à faire partie des nouvelles têtes de Pro Bono Lab, puisque Sylvain Raymond nous a rejoint en début d'année en tant que directeur général, et je vais lui laisser la parole maintenant pour vous parler de notre association. Merci Clémence, bonsoir à tous, et un grand merci à Émilie qui a introduit cette soirée. Je pense qu'on ne l'a pas assez applaudie, et je vous invite de nouveau à l'applaudir. Pour tout ce qu'elle a pu faire, pour tout ce qu'elle a pu faire pour Pro Bono Lab, très globalement, et pour le Pro Bono en général. Je voudrais aussi remercier Christine Monnier, qui est administratrice de Pro Bono Lab, qui est présente ce soir à nos côtés. Simplement vous dire que Pro Bono Lab, pendant toutes ces années, depuis 2011, a été l'acteur du développement de l'engagement citoyen en France et à l'international. Émilie parlait justement de l'équipe qui se trouve en Inde actuellement pour penser le pro bono de demain et pour essayer de faire en sorte que ce pro bono se développe à très grande ampleur également en France. Vous dire que en 2017, Pro Bono Lab a assuré plus de 30 formations en France et à l'international. Il y a plus de 80 organisations qui ont été accompagnées et 1000 volontaires qui ont été mobilisés sur les chantiers de marathon notamment et d'action de mission pro bono.
Alors moi, en effet, je débarque d'un réseau d'entreprises qui s'appelle les Entreprises pour la Cité, où on s'est intéressé de tout près à un certain nombre de grands enjeux sociétaux, la fragmentation de la société, l'individualisme à outrance, ces questions de transformation digitale, les nouveaux modes de travail, le nouveau mode de rapport à l'autorité, tous ces sujets finalement auxquels les structures d'intérêt général comme les nôtres doivent aujourd'hui répondre. J'étais spécialisé des engagements et des investissements citoyens au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité. Et je me rends compte aujourd'hui en arrivant chez Pro Bono Lab que le pro bono est, et vous le retrouverez dans l'édito du livret, pour moi l'engagement ultime. C'est un engagement qui est sur des temps professionnels, sur des temps personnels, que l'on soit demandeur d'emploi, que l'on soit collaborateur, que l'on soit retraité, que l'on soit une femme, que l'on soit un homme, que l'on soit jeune, étudiant. Il nous concerne tous et le pro bono, c'est d'abord donner ce qu'on a au fond de soi-même, c'est-à-dire la compétence. C'est un engagement qui est riche, c'est un engagement qui est vertueux, c'est un engagement qui répond à tous ces enjeux de société. C'est un engagement qui nous permet d'agir collectivement, c'est un engagement qui nous permet d'avoir un impact collectif, c'est un engagement qui nous permet de générer de la valeur partagée. Et je suis extrêmement fier de pouvoir porter en France ce type d'engagement aux côtés d'une équipe aussi talentueuse. Donc bienvenue à tous et très bonne soirée à vous. Nous allons commencer la première table ronde de la soirée. Et donc je vais inviter à me rejoindre sur scène Véronique, Lucille, Marie et Florian pour prendre place. Et vous pouvez les applaudir parce que c'est tout de même la première table ronde. Ils vont essuyer les plates de mon animation qui a au moins le mérite d'avoir de la voix parce que comme certains le savent, je n'avais absolument pas de voix il y a encore 24 heures. Comme quoi le pro bono fait des miracles. Alors avant de commencer les débats et de vous cuisiner, je voulais faire un petit rapide aperçu de ce qu'est l'engagement citoyen. Alors Sylvain en a parlé en quelques mots. Aujourd'hui, l'engagement citoyen des collaborateurs, c'est un terme qui est encore assez flou. C'est pas vraiment de quoi on parle, il y a plusieurs définitions. On pourrait dire que c'est le fait pour une entreprise d'inciter ses collaborateurs à s'engager de manière totalement libre et on va dire au-delà de leurs obligations strictement professionnelles, en tout cas en dehors de ce qu'il y a dans leur fiche de poste, à s'engager au final pour l'intérêt général, pour la société, pour le bien commun. Je vais passer les termes et puis les différentes écoles qu'il y a sur ce sujet. Et au final, on se retrouve avec un engagement citoyen des collaborateurs qui recouvre énormément de dispositifs différents, de notions. On peut parler du bénévolat, du mécénat de compétences, du congé solidaire, du don des salariés quand on fait une collecte pour une cause. On peut parler également de l'épargne salariale solidaire. Et donc pour cette première table ronde, on va commencer par l'un des dispositifs de l'engagement citoyen des collaborateurs, qui est la journée solidaire, puisque Lucille, tu es responsable communication et chef de projet journée solidaire chez Unicité Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Unicité, c'est une association assez connue dans l'économie sociale et solidaire, puisque c'est l'association pionnière du service civique. Elle engage depuis 20 ans des jeunes entre 16 et 25 ans qui font des missions de 6 à 9 mois dans des associations et collectivités sur des missions d'intérêt général. Et depuis quelques années, vous avez développé une activité pour non pas engager les jeunes, mais les salariés. Parce que aussi, quand on vieillit, on a besoin aussi de s'engager. Et vous avez créé notamment les journées solidaires entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Lucille, les modalités d'une journée solidaire entreprise, comment ça se passe et quelles sont les modalités d'implication pour ces collaborateurs qui voilà, reçoivent un mail, un message lors d'une réunion, leur employeur leur dit ou leur manager, ah bah tiens, on fait une journée solidaire, ça pourrait t'intéresser. Ça se passe comment ? Alors concrètement, une journée solidaire telle que nous, on les met en place. L'intérêt, l'objectif, c'est d'aller mobiliser des collaborateurs d'entreprise au sein d'associations du territoire, de leur territoire. Ils vont s'engager sur leur temps de travail et donner de leur temps donc à un projet d'une association qui répond à un vrai besoin d'une association du territoire. Concrètement, il y a des entreprises qui nous contactent en nous disant qu'ils aimeraient bien pouvoir mobiliser leurs collaborateurs sur
un projet qui soit utile pour une association. Et nous, on leur permet d'organiser tout ça. Donc, on fait tout de A à Z. Hein. On organise depuis les liens avec l'entreprise jusqu'à créer le projet avec une association qui a un besoin. Ça peut prendre de multiples formes. Ça peut être des chantiers solidaires où il va s'agir concrètement d'aller faire de la peinture, repeindre des appartements de bénéficiaires. Ça peut être de la construction d'objets, de meubles. Ça peut vraiment recourir de multiples aspects. L'idée, c'est que ça ne fait pas appel à des compétences de collaborateurs qui sont développées dans le cadre de leur travail au quotidien. Ça fait appel à simplement la générosité d'un collaborateur qui a envie de donner de son temps. Et son employeur lui permet ça, grâce à ses journées solidaires, sur son temps de travail. Donc ça veut dire que la journée solidaire, c'est pas samedi ni dimanche, c'est vraiment sur un jour de semaine habituellement travaillé. Exactement, c'est sur un jour de semaine, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous citer un des exemples de journées solidaires que vous avez réalisées, notamment pour l'association Le Prado, Exactement. Avec qui ça s'est passé ? Tout à fait. On a réalisé, ça c'était en mars 2017, en mars dernier, une journée solidaire, donc c'était l'EM Lyon en l'occurrence, donc il y a Florian qui est là qui pourra vous en parler, qui a eu envie de mobiliser ses collaborateurs, donc on parle bien des collaborateurs de l'EM, pas des étudiants, là, ce sont les collaborateurs qui se sont engagés sur une journée solidaire, en l'occurrence au bénéfice du Prado, donc Marie pourra vous en parler aussi. L'idée était d'aller repeindre des appartements pédagogiques, qui sont occupés par des jeunes qui sont sur la fin de parcours du Prado, qui est une association qui s'occupe de jeunes en difficulté. Il y a eu une quinzaine de collaborateurs de l'EM qui, toute la journée, sont allés repeindre 3 appartements donc du côté de Vaise pour le Prado. Très bien, merci Lucille. Florian, ça tombe bien, puisqu'effectivement, tu es de l'EM Lyon. Alors, tu es Staff Community Manager ou... Chief Happiness Officer, donc en français, ouais, on va dire que tu veilles au bien-être des collaborateurs de l'EM Lyon. Oui. Tu fais en sorte qu'ils se sentent bien et tes actions s'incluent plus largement du coup, dans la responsabilité sociétale de l'école. Ouais. L'EM Lyon, justement, a fait le choix d'engager ses collaborateurs sur leur temps de travail et en plus en équipe. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix chez l'EM Lyon ? En fait, on avait une... Alors, c'est pas une problématique, mais c'est une chance. On a accueilli 4 nouveaux campus à EM Lyon. Et donc quelque chose comme 30% à peu près de collaborateurs en plus sur EM Lyon. Et le but qu'on voulait, c'était garder un petit peu le côté PME qui peut exister sur une entreprise un petit peu plus petite, donc le côté collaboratif, tout le monde se connaît, et ainsi de suite. Et donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était garder cet esprit-là. Donc on a développé certaines actions, et parmi les actions qu'on a développées, on s'est mis en relation justement avec Unicité, qui nous a proposé clairement un team building solidaire. Et donc le côté team building, nous, ça nous permettait de développer un petit peu tout ce qu'on souhaite dans une entreprise, et c'est-à-dire développer la transversalité, développer la connaissance des autres, voilà, ce genre de choses. Et on voulait que ce team building, il ait un petit peu de sens. On ne voulait pas les envoyer en laser game ou quelque chose comme ça. C'est intéressant aussi, hein, mais c'était autre chose qu'on souhaitait. Et donc le côté solidaire nous permettait justement d'engager en fait les collaborateurs sur une action qui soit vraiment impactante pour eux et qui les rende fiers d'appartenir à la fois à EM Lyon et à la fois à la communauté EM Lyon, c'est-à-dire à l'entreprise et également à la communauté d'EM Lyon. Merci Florian. Véronique, tu es la déléguée générale de la Fondation Émergence. La Fondation Émergence, c'est une fondation qui réunit plusieurs entreprises lyonnaises, donc plus d'une trentaine, et sa vocation, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans le secteur du mieux vivre ensemble. C'est une fondation dont l'implication est exclusivement en tant homme, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise vont transférer gracieusement leurs compétences entrepreneuriales auprès des porteurs de projets. J'aimerais avoir du coup ton expérience. Là, on vient de voir une action réussie, mais au tout début, une entreprise, quand justement elle doit mettre le pied à l'étrier, d'après ce que tu as vu auprès de la trentaine d'entreprises, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce déclenchement et ce passage à l'action ? Alors, c'est un diagnostic qui a été posé en fait par ses dirigeants sur le fait qu'il y avait vraiment en région des besoins nouveaux et mal couverts sur le plan sociétal. Et ces dirigeants se connaissaient, se cooptaient et ont eu envie de créer donc ce collectif. Donc évidemment, ça s'est agrégé autour de valeurs et l'idée était de transmettre des valeurs entrepreneuriales à des porteurs de projets
sur des jeunes projets donc, qui se structuraient pour aider à autonomiser et à rendre viables des initiatives donc, sociales. Donc ce collectif agrège et il y a une sorte de force centripète pour étoffer un petit peu le collectif qui se monte, sachant que la dimension est importante pour donner de la souplesse et que cet engagement et ce souhait d'agir ensemble puissent prendre forme. Et du coup, les avantages pour les entreprises de s'engager ensemble, selon toi, par rapport à un engagement, on va dire, plus individuel, quels seraient ces avantages à être ensemble ? Alors, c'est justement de laisser une latitude et de pouvoir s'engager non pas sur uniquement ses compétences, c'est-à-dire d'avoir un dirigeant qui transmet, j'allais dire, la structuration d'un projet dans toute sa globalité, mais de pouvoir aussi s'engager sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. Il y a vraiment une dimension, j'allais dire, qui les ramène à cette tradition humaniste de Lyon, qui fait que, je pense à un exemple qui est un monsieur qui travaillait dans le secteur de l'économie et qui a voulu s'engager sur un projet qui mobilisait des infirmières du CHU de Saint-Étienne pour désengorger le service d'urgence pédiatrique. Et ce monsieur donc me disait, mais ma femme est infirmière. Et donc pour lui, ça répondait à un besoin, j'allais dire, personnel, de s'engager sur une cause qui lui tenait à cœur et de transmettre également donc, un savoir-faire qui n'était pas forcément reconnu dans son profil, j'allais dire, professionnel. Donc c'est cette richesse, c'est ce mix entre le savoir-faire et le savoir-être, en fait, ou l'appétence de répondre et d'être en mesure d'aider des initiatives sur le territoire. Merci Véronique. Alors on va voir maintenant le côté, on va dire, porteur de projet, association, puisque Marie, tu es chargée de communication et partenariat à l'association Le Prado. Donc Lucie et Florian ont évoqué justement l'action d'engagement des collaborateurs de l'EAMU en faveur du Prado et sa réussite du coup en termes de mobilisation. Donc ça c'est plutôt, on va dire, le prisme entreprise. Et toi, de ton expérience en tant qu'association, pour que l'impact de ces types de journées soit maximal, quels sont les conseils que tu aimerais donner à d'autres associations ? Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler que pour l'association, il y a un peu un double objectif pour ce genre de journée. D'abord, c'est le fait de garantir un moment qui soit dynamique et intéressant pour les bénévoles qui viennent de l'extérieur et pour qui souvent c'est un peu les premières expériences de bénévolat. Et le deuxième, c'est bien sûr de faire en sorte que ce soit un moment intéressant pour créer une rencontre pour directement les usagers. Donc en l'occurrence, c'est des jeunes qui vivent par exemple dans des foyers ou dans des appartements en semi-autonomie, comme l'a dit Lucille. Pour le premier point, ce qui est l'organisation avec les bénévoles, l'association n'est pas du tout seule dans cette organisation, puisque ça se fait en partenariat avec des structures comme Unicité ou directement les entreprises. Donc l'association n'est pas seule, heureusement. Et ce qu'elle doit gérer, à mon sens, c'est aussi en termes de communication, puisqu'on s'adresse à ce moment-là à des gens qui ne connaissent pas forcément le secteur d'activité dans lequel on travaille. Et du coup, il y a un certain enjeu dans le fait de les sensibiliser à des problématiques qui sont assez difficiles, voire très difficiles des jeunes, sans pour autant les plomber, sans pour autant être culpabilisés et garder quand même le côté positif et énergique avec lequel viennent les bénévoles. Donc un petit exercice de communication qui n'est pas toujours évident dans le secteur social avec des problématiques assez difficiles, des équipes qui ont vraiment des problématiques très quotidiennes de terrain. Et du coup, il y a vraiment une importance à préparer cette rencontre en amont pour vraiment préparer le terrain, mobiliser les équipes, faire en sorte qu'il y ait un maximum de jeunes qui soient présents le jour J, pour que le moment au moment de la rencontre, le moment de la journée, la rencontre soit la plus facile possible entre les bénévoles et les jeunes, parce que c'est vraiment cette rencontre-là qui est l'objectif visé, en fait. Merci Marie. Lucille, j'aimerais avoir ton avis sur en fait, les moteurs de l'engagement et les motifs de satisfaction des collaborateurs. On a évoqué dans les différents témoignages que la cause de l'association et le fait de se sentir utile
c'était vraiment, on va dire, des facteurs d'engagement à travers les journées solidaires, qui sont des actions, on va dire, très terrain, très concrètes, comme on a pu le voir. Est-ce que tu as identifié d'autres facteurs d'engagement, ou en tout cas de satisfaction? Qu'est-ce que te disent les collaborateurs lorsqu'ils sortent de ces journées? Clairement, le lien, comme le disait Marie, en fait, le lien avec l'association qui a pu être créée sur cette journée-là, le lien avec des bénéficiaires de l'association, le lien avec des bénévoles ou des salariés de l'association est très important. Pour l'essentiel des journées solidaires, c'est vraiment ça qui est aussi recherché, c'est de pouvoir se confronter souvent à un milieu qu'ils, pour certains, connaissent très bien, pour d'autres moins. En tout cas, faire explorer cette nouveauté-là, faire connaissance et voilà, comprendre mieux les enjeux d'une association. Donc, quand il y a ce lien qui a pu être créé, et donc avec les conditions bien réunies pour que ce lien se fasse effectivement sur la journée, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup sur la satisfaction des collaborateurs. Ensuite, de notre côté, en tout cas, le fait que ça fasse appel, déjà que leur entreprise leur permette de pouvoir s'engager sur du temps de travail, c'est pas négligeable. Ils nous disent souvent qu'ils avaient eu envie de s'engager depuis longtemps dans une association, de donner un peu de temps personnel, pour le coup, mais que c'était pas évident de pousser une porte d'une association comme ça. Ce qu'on comprend tout à fait. Et du coup, là, c'était l'occasion parfaite que leur entreprise leur permette ça, qui peut générer un engagement à plus long terme derrière, plus personnel pour le coup. Et puis après, l'aspect très concret des projets que l'on met en place, ou qui ne font pas donc appel à des compétences particulières de personnes, qui, en tout cas pas des compétences qu'ils développent au quotidien dans leur travail. Et l'aspect très concret, chantier solidaire, voilà, on est sur le terrain, on met les mains dans le cambouis, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc ça contribue beaucoup. Merci Lucille. Alors justement, dans un tout autre registre, à la Fondation Émergence, on ne peut pas dire que ça soit vraiment très terrain, puisqu'on est dans le partage de compétences, la transmission de postures entrepreneuriales. Donc c'est vrai que ça peut sembler assez abstrait. Est-ce que tu peux nous raconter, Véronique, une séance miroir? Déjà nous dire ce que c'est. Oui, alors une séance miroir, c'est une rencontre entre un porteur de projet qui vient exposer devant une dizaine de membres de la Fondation, donc des dirigeants pour... évidemment la plus grande part, son ambition, et se confronter donc à un regard extérieur avec des profils de dirigeants extrêmement variés, extrêmement divers. Et donc on jette le projet en l'air, on voit un petit peu comment il retombe sur la table, et donc après une présentation formelle où le porteur ou la porteuse expose ses attentes en besoin de compétences, puisque souvent la première requête c'est de demander de l'argent, et on leur explique que pour être en mesure d'obtenir, j'allais dire, de l'argent ou une viabilité, il faut d'abord que le projet soit bien constitué. Donc, c'est une présentation et une confrontation où le jeu des questions-réponses ensuite permet justement de prioriser les besoins, de voir dans quelle mesure le profil du porteur est en adéquation avec le projet qu'il a exposé, et ensuite donc d'entendre évidemment ses demandes en compétences, et éventuellement de lui faire entendre aussi en retour les besoins qui n'auraient pas été identifiés, mais qui semblent importants au regard donc des personnes qui sont présentes, des membres de la Fondation. Voilà. Et donc l'expérience de ces dirigeants, qui n'ont évidemment pas connu que des réussites, est tout à fait bienveillante. L'idée est vraiment de creuser, et c'est un exercice de créativité en fait autour du porteur ou de la porteuse. Merci Véronique. Marie, sur justement l'action de terrain, quel est l'apport pour une association, par exemple pour le Prado, quels ont été les bénéfices directs et indirects de l'action que vous avez pu mener avec l'UM Lyon et l'Unicité? Ben, d'abord, il y a les bénéfices matériels, on va dire évidents, qui est le chantier en lui-même, parce que c'est vraiment améliorer des lieux de vie où sont les jeunes au quotidien, qui n'aurait pas pu être fait sans l'intervention des bénévoles, ou qui aurait été fait beaucoup plus tard. Donc on a mentionné les appartements, ça a pu être aussi des coins jardins, des salles communes, décorations, etc. Donc ça c'est un bénéfice direct qui est évident. Aussi l'intérêt des actions de terrain comme celle-là, c'est que ça met vraiment en contact des intervenants, collaborateurs extérieurs avec les bénéficiaires. Et ça permet aux jeunes d'avoir un contact avec des adultes qui soient complètement en dehors du cadre éducatif, du cadre scolaire, du cadre professionnel,
Et c'est finalement quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. Dans beaucoup de ces journées solidaires, il y a des jeunes qui sont venus me demander si les personnes étaient payées pour faire ces chantiers-là. Et donc, évidemment, quand je leur réponds que non, ça change bien sûr la relation qu'il va y avoir et les échanges qu'il va y avoir avec ces adultes. Et donc, c'est quelque chose d'évidemment très, très bénéfique. Et surtout qu'il y a autre chose, c'est que la rencontre peut aussi se prolonger au-delà de cette journée. Il y a parfois des bénévoles qui sont très intéressés, avec qui ça va très bien passer avec un jeune et qui vont revenir pour du soutien scolaire, pour un mécénat de compétences ou pour d'autres journées. Et donc c'est un peu une porte ouverte à d'autres actions, d'autres engagements et qui partent vraiment de la rencontre avec le bénéficiaire, en rencontre directe. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a un autre bénéfice qui est plus indirect, qui est pour l'association, et puis en particulier puis pour la cause en général, c'est le fait de pouvoir sensibiliser sur ce sur quoi on travaille, en l'occurrence la protection de l'enfance, mais ça marche avec toutes les associations, de pouvoir faire découvrir un secteur, des problématiques, le travail des équipes. Et donc ça, c'est plus difficilement quantifiable, évidemment, en termes d'impact, mais ça fait partie aussi des objectifs de chaque association. Merci Marie. Alors je vais donner la lourde tâche à la fois de clôturer et d'ouvrir les perspectives de cette table ronde à Florian. On a évoqué des actions, aussi bien des actions de partage de compétences, des actions de terrain, qui sont relativement ponctuelles. Comment est-ce qu'on fait pour que le ponctuel soit récurrent ou de tout moins comment est-ce qu'on fait pour le renouveler ? Et par exemple, quand vous avez conduit l'action l'année dernière, comment est-ce que vous faites justement pour insuffler une nouvelle dynamique, pour engager des collaborateurs qui n'étaient pas forcément impliqués l'année dernière ? Quelles sont les bonnes pratiques que tu souhaites partager ce soir ? Alors, les bonnes pratiques peut-être pas, mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait et ce qui a fonctionné, c'est-à-dire que ça a été très facile parce que quelques semaines après en fait, les journées solidaires, grâce au bouche à oreille, déjà dans un premier temps, des personnes qui ont participé, il y a eu des personnes qui n'ont pas participé aux journées, qui sont venues nous voir directement aux ressources humaines pour dire quand est-ce qu'on recommence, c'était vraiment génial, on en a entendu parler, et ainsi de suite. Donc déjà, il y a eu ce premier contact-là, donc déjà le contact, bouche à oreille, quoi. Le second, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une vidéo et qu'on avait fait des photos pour pouvoir partager, non pas avec les... En l'occurrence, on avait fait 3 journées solidaires, donc 45 personnes qui avaient participé aux journées solidaires, mais avec les 400 autres qui n'ont pas pu y participer ou qui n'ont pas souhaité y participer. Et donc, on a pu partager avec ces vidéos et ces photos sur notre intranet. Et ça a été extrêmement bien reçu. On a eu énormément de partages, ce genre de choses. C'est une sorte de Facebook interne, donc évidemment on a des partages et ce genre de choses. Mais en tout cas, ça a été très très bien reçu et ça a permis en fait de faire en sorte que 3 journées se continuent justement sur toute l'année en fait. L'action soit vraiment continue. Enfin, ce qu'on a mis en place, c'était un sondage toujours sur cet intranet pour savoir en fait quelles étaient les envies des collaborateurs qui avaient participé, mais également qui n'avaient pas participé. Et nous, en fait, c'était ce qui est ressorti en fait de ce sondage-là, c'était que la plupart des collaborateurs voulaient être en rapport avec justement des bénéficiaires de l'association. Et donc, on a fait le choix avec Lucille d'essayer de prendre des associations pour la deuxième fois où on va le faire là en mars, de prendre des associations qui ont plus de bénéficiaires peut-être avec qui échanger avec les collaborateurs de M Lyon qui vont y participer. Et donc là, on va lancer donc les prochaines journées solidaires dans 2 semaines, 3 semaines. Et on a lancé les inscriptions vendredi. Elles sont déjà quasiment pleines aujourd'hui, mardi, avec plus de 50% des personnes qui n'y avaient pas participé sur la première session qui se sont inscrites. Donc du coup, ça a vraiment bien marché aussi de ce côté-là. Merci Florian, tu as bien relevé le challenge. Merci à tous les 4 pour votre participation dans cette première table ronde. Je pense qu'on peut tous vous applaudir pour ces beaux témoignages. Merci à vous tous. Je reprends la parole très brièvement pour vous dire où en est ProBonolab aujourd'hui de la réflexion qu'il mène. Et c'est vrai que jusqu'à l'Assemblée générale de juin, avec justement le nouvelle offre d'accompagnement qu'on est en train de penser tous ensemble avec nos partenaires, avec les équipes, on s'engage en effet dans une réflexion interne pour essayer de redéfinir notre conviction première
celle que j'évoquais, qui est que notamment la compétence, elle est partout. C'est ce que j'évoquais en premier point, et que finalement, elle appartient à tous. C'est la conviction de Pro Bono Lab, et c'est celle que nous réaffirmerons à partir de juin prochain lors de l'Assemblée générale. Un point sur ce qui a été dit, je pense que c'est un bon justement point d'ancrage à la réflexion de ce soir, qui est que le pro bono, c'est un type d'engagement citoyen. Je parlais tout à l'heure d'un engagement ultime. La vocation de Pro Bono Lab aujourd'hui en tant que laboratoire d'engagement citoyen, c'est justement de prendre toute cette hauteur pour essayer de retracer les parcours d'engagement qui correspondent à des enjeux pour la structure d'intérêt général et d'utilité sociale, qui correspondent à des enjeux pour les entreprises, qui correspondent aussi à des motivations très personnelles pour le volontaire qui met à disposition ses compétences. Pro Bono Lab, aujourd'hui, c'est un opérateur social. C'est une structure qui invente des programmes d'utilité sociale pour répondre à des urgences sociétales, à des urgences sociales, et nous allons le réaffirmer assez rapidement. Pro Bono Lab, c'est un laboratoire d'échange, un laboratoire d'expertise, un laboratoire de prospective, et c'est ce que nous allons aussi réaffirmer avec nos cofondateurs très prochainement. Pro Bono Lab, c'est un acteur qui accompagne, qui expérimente et qui accompagne des entreprises, qui accompagne des acteurs d'utilité sociale, des collectivités territoriales, et qui a cet enjeu d'accompagner ces acteurs sur l'intégralité de leur système d'engagement citoyen. Le pro bono, encore une fois, c'est juste la continuité d'un parcours d'engagement qui débute dans une entreprise via un arrondi sur salaire, via une journée de solidarité, via un engagement quel qu'il soit, financier. Et le pro bono, c'est ce qui va donner finalement tout son supplément d'âme, un soutien quel qu'il soit. Dernier point de cette vocation de Pro Bono Lab, c'est de réaffirmer aussi cette nécessité de pro bono à toutes les échelles et à tous les échelons de nos sociétés, et tout un travail qui débute notamment avec le pouvoir public sur l'SMA, sur le développement du pro bono. Alors ça donnera lieu à un gros temps fort de l'Assemblée générale de juin, où tout sera véritablement révélé. En attendant, ce qu'on peut dévoiler dès à présent et ce soir, c'est le nouveau site internet de Pro Bono Lab. Le premier point d'ancrage justement de cette nouvelle stratégie, c'est une stratégie digitale forte. Donc merci une nouvelle fois à nos équipes de communication et à Émilie qui a coordonné la production de ce site qui sera disponible à partir du 15 février. Je crois les premières pages seront actives à partir de cette date. Donc merci à toutes les équipes, vous envoyez en avant-première les premières pages avec un site qui est vraiment fait pour nos trois types de parties prenantes, hein, les partenaires, les associations, les structures d'intérêt général, d'utilité sociale et les volontaires. Donc la suite le 15 février. Je vous laisse continuer. J'ai tout dit. Merci Sylvain. Je vais introduire Géraldine Froger qui va avoir... la chance d'animer cette deuxième table ronde. La deuxième table ronde, c'est maintenant qu'on a vu quelques modalités, donc les partages de compétences et puis les actions plus terrain, de savoir mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait. Et du coup, c'est Géraldine qui va répondre à ces questions avec ses intervenants. Voilà, je vais inviter, bonsoir à tous, je vais inviter Sabine, Fabienne, Armel, Ludovic et Amélie. Amélie, je me demandais, tu avais disparu, je me disais, ah... Pendant que vous vous installez, pourquoi ? Alors, je suis Géraldine Froger, je suis responsable du centre APEC de Clermont-Ferrand. Et pourquoi aujourd'hui j'ai été sollicitée d'une part et accepté de venir animer cette table ronde ? Bien parce que l'APEC, nous recevons 60% des cadres que nous recevons sont en activité, les autres sont en recherche d'emploi, et quelle que soit leur situation, ils sont aujourd'hui en recherche de sens. Ils viennent nous voir en disant je veux changer de job, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est surtout du sens qu'ils cherchent. Alors un nouveau job peut-être, mais peut-être que c'est pas dans un nouveau job que ça se trouvera. Et on va voir effectivement avec nos invités que ce fameux sens, un certain nombre de bénévoles, c'est un sujet qui les motive à venir se rapprocher de ces sujets. Et donc, effectivement, régulièrement, nous envoyons des gens qui viennent nous voir, hein, des cadres qui viennent nous voir vers Pro Bono en leur disant, bah, écoutez, c'est une occasion. Vous êtes en activité, c'est une occasion de trouver d'autres moyens de vous impliquer. Vous êtes en recherche d'emploi, ça va être l'occasion de rejoindre des salariés sur des marathons, sur la journée. Et là, c'est une opportunité de faire du réseau. Voilà, j'arrête. Maintenant, je m'intéresse à vous.
Sabine, c'est à vous que je vais d'abord passer la parole. Sabine, vous êtes depuis 18 mois DRH et vous avez bien précisé directrice des ressources humaines et la RSE chez ADEV Materials. C'est une entreprise de 450 salariés qui est spécialisée dans la transformation de matériaux collants pour faire de l'assemblage en monde industriel, santé, aéronautique, automobile, énergie, construction. En gros, si je vous dis demain plus de rivets que de la colle, ça résume bien le sujet. Sabine, vous êtes engagée dans le milieu associatif depuis toujours. Pourquoi cet engagement et pourquoi engager les collaborateurs dans cette démarche dans le territoire, m'avez-vous précisé ? Alors effectivement, RSE et RH, c'est important pour moi parce que je pense que le DRH peut avoir une action dans l'entreprise, dans son territoire et donc dans l'engagement des salariés dans leur territoire. L'engagement associatif, parce que depuis toujours, effectivement, familialement, j'ai été amenée là-dedans, donc sur divers aspects. Ça me paraît important, la question de la compétence, et c'est ce qui m'a intéressée avec ProBonolab, puisque en tant que DRH, la question de la compétence, on la touche tous les jours sur les besoins dans l'entreprise. Et pour moi, l'entreprise n'est pas quelque chose qui est à part et détaché du reste de la société, mais elle est ancrée dans la société, elle est ancrée dans son territoire, quelle que soit l'entreprise, et elle a un rôle à jouer dans ce territoire-là sur le partage des compétences. Donc nous, on agit fortement en lien avec les écoles pour avoir les bonnes personnes dont on a besoin inscrites dans notre territoire. Et c'est pour cette raison-là que j'ai eu à cœur que RSE et RH soient rassemblés dans la même fonction au sein de l'entreprise pour qu'on puisse agir dans le développement des compétences de notre territoire. Merci beaucoup. Fabienne, vous êtes déléguée générale de la Fondation EY pour les métiers manuels. Cette fondation a été créée il y a 10 ans pour accompagner en compétences des personnes à profil manuel et en particulier sur les compétences en gestion qui peuvent faire défaut, m'avez-vous dit. Quelles sont les motivations que vous avez identifiées chez les volontaires et pourquoi s'engagent-ils ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'engagent ? Ils s'engagent parce qu'ils veulent trouver du sens. Aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous souhaite trouver du sens au travail, et aujourd'hui plus que jamais. Donc il y a une véritable quête de sens des salariés, de l'entreprise. Mais quel qu'il soit, souvent on peut se dire c'est une vague portée par les jeunes qui aujourd'hui veulent un peu tout, du sens au travail, un super job, un équilibre de vie. Mais quand on a travaillé sur l'évaluation des 10 ans de la Fondation, on s'est rendu compte que tout le monde s'engageait, quel que soit son âge. Donc les jeunes ont une très forte appétence pour l'engagement, mais pas que. Donc le sens au travail, ils s'engagent pour partager et pour faire quelque chose de concret. Parfois, dans une grande entreprise, quand on est consultant, auditeur, voilà, on fait des missions extrêmement spécifiques. Et parfois on connaît mal le client final. Là, dans la fondation, comme on aide un verrier, une association d'insertion par la couture, une corsetière, un horloger, souvent c'est des gens seuls, et si on les aide à trouver un modèle économique, on voit tout de suite le sens à ce que l'on a fait. Donc la quête de sens, le fait que ce soit concret, et aussi le partage, la découverte et l'ouverture à l'autre. Je pense qu'aujourd'hui le monde est très ouvert, on est dans des métiers où chez nous par définition on est curieux, et le fait que dans cette fondation on puisse travailler en équipe auprès d'un porteur de projet fait que déjà on s'enrichit au contact de l'autre, hein. Parfois un consultant ne travaille pas forcément au quotidien avec un avocat, donc déjà ils apprennent de l'autre et puis ils apprennent une autre réalité économique. Je pense que parfois dans des grandes entreprises ou partout, hein, on a une vision de la réalité économique qui peut être faussée. Là, on se rend compte que voilà, qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent de leurs mains, parfois peinent vraiment à finir à la fin de mois, même s'ils sont compagnons, même s'ils ont un fort savoir-faire manuel. Donc l'idée, c'est de montrer que tout le monde a sa place dans la société, quel que soit son profil. Merci beaucoup. Et nous allons étayer votre propos de fondation
puisque Armelle, vous êtes consultante chez EY, vous êtes marraine de l'ouvre-boîte qui est l'intervenant suivant, Ludovic, qui va nous en parler. Vous êtes manager au sein de l'activité conseil, vous intervenez, j'ai bien senti quand vous l'avez dit que ça vous faisait vraiment très très plaisir, à 50% de votre temps sur des start-up et en particulier sur les sciences de la vie. Vous m'avez dit que vous êtes impliquée depuis 10 ans dans des assos avec une volonté de continuité. J'ai entendu là aussi l'idée de s'inscrire dans la durée. Comment et pourquoi vous engagez dans le mécénat de compétences ? Alors ça va rejoindre beaucoup ce que Fabienne a déjà évoqué, mais enfin, moi dans mon activité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de contacts avec des start-up. Dans le domaine des biotech, on est sur des cycles de vie qui sont relativement longs, donc on a beau les accompagner, on ne voit pas toujours rapidement l'action qu'on peut avoir auprès d'eux. Dans le cadre de la fondation, c'est complètement différent puisque ce sont des projets qui sont très concrets. On les accompagne sur un an à 18 mois et on voit assez rapidement l'impact qu'on peut avoir. Ce qui est relativement important pour moi parce que dans un métier comme le mien, on est des fois sur des choses qui sont très conceptuelles. On accompagne des clients sur de la stratégie, des choses qui ne sont pas toujours très palpables. Et le fait d'être au contact de gens qui sont dans des métiers manuels, déjà, ça nous rapproche de choses qui sont beaucoup plus concrètes. Et le fait de les accompagner de manière régulière pendant cette période, ça nous permet aussi de voir l'impact, finalement, assez rapidement de ce qu'on peut leur apporter dans leur activité quotidienne. Donc vraiment une réalité, vous l'avez évoqué toutes les deux, quelque chose qui est du coup a une réalité beaucoup plus forte que le reste, que ce que vous faites le reste du temps. Et justement, Ludovic, vous avez même le droit de vous lever. C'est une petite boutade entre nous. Ludovic, vous êtes chef de projet de l'ouvre-boîte. Alors l'ouvre-boîte, c'est un dispositif qui est porté par la Fondation Auteuil, dont d'ailleurs j'ai vu un éminent représentant avec qui j'ai échangé tout à l'heure. En fait, la Fondation Auteuil, voilà, ça y est, je vous ai repéré, pour lutter contre un taux important de cessation d'activité dans les porteurs de projets 18-30 ans ou 18-25. 18-30, merci. Je savais que quand j'ai écrit mes notes, j'arrivais plus à me relire. Qui ouvre une boîte ou qui monte une activité. Un soutien pendant 24 premiers mois pour des projets dans la restauration, le bâtiment et l'équipement à la personne. Alors Ludovic, vous avez choisi, vous, d'utiliser, on l'a évoqué ce soir, plusieurs solutions pour mobiliser les compétences utiles. Quelles sont-elles et que vous apporte cette diversité de solutions ? Je reviens juste sur ces quatre leviers, l'accompagnement, et je me lève en plus. sur les quatre leviers d'accompagnement, on est à la fois sur de la formation, sur de l'accompagnement à la création d'un point de vue technique, on est sur du mentorat, donc un peu plus philosophique, on va dire, et un accompagnement social, personnel. Donc pour mener à bien ce projet-là, étant tout seul salarié, c'est un peu compliqué. Donc on va chercher les compétences là où elles sont. Donc on a construit une équipe au final qui du coup allie des compétences de bénévoles, des compétences de mécènes de compétences. Donc on a Cofages qui est un cabinet d'expertise comptable, du coup on a Fondation EY qui accompagne du coup un entrepreneur, on en a d'autres aussi. Si vous voulez, on va chercher un certain nombre de compétences là où elles sont. L'idée étant que ça nous apporte, enfin l'impact clairement, c'est que ça nous apporte de la flexibilité en termes d'organisation. Aujourd'hui, on est sur un mode start-up, donc on ne peut pas embaucher une personne sur chaque fonction. Donc j'ai trouvé du bénévolat, du mécénat de compétences. Derrière, c'est de la flexibilité de fait budgétaire, parce que comme ça, on peut cibler là où on investit financièrement, en tout cas sur le salariat. Derrière, au niveau RH, en termes d'animation d'équipe, moi je trouve ça génial parce que on est avec des personnes qui viennent là parce qu'elles le veulent. Donc en termes d'animation, c'est relativement simple. Ces personnes-là, elles viennent chercher du sens et du coup, on leur donne et du coup, ça fonctionne très bien. Et la dernière, quand même, ce qui est assez intéressant, c'est que ce mécénat de compétences, en tout cas avec la Fondation EY, c'est une dynamique partenariale qui est intéressante. Je vais voir la Fondation EY pour savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur du mécénat de compétences et je me retrouve ici à parler de mon projet. Alors ça, c'est génial. Merci à la Fondation, merci au Pro Bono et longue vie au mécénat de compétences parce que ça apporte plein de choses. Et en plus, vous avez rencontré votre marraine ce soir. Et en plus, je rencontre ma marraine. Amélie, vous êtes cofondatrice et coordinatrice de la Miette.
un collectif qui, depuis 6 ans, propose un lieu pour les porteurs de projets innovants, une maison pour mutualiser des compétences et du matériel, pour tester des choses qui n'existent pas. Et vous, c'est vraiment au titre de bénéficiaire du pro bono que je vous interroge. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça a apporté aux participants, volontaires, bénéficiaires, enfin voilà, tous ceux qui, quelque part, bénéficient d'une part de cette action? Oui. Alors l'expérience pro bono pour nous, ça a été vraiment tout d'abord une rencontre en fait entre deux milieux, le milieu associatif avec vraiment une culture éduc-pop et en fait le monde de la grande entreprise privée. Donc en fait on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes codes, le même langage, on peut vraiment parler de différences culturelles. Mais c'est une rencontre qui apporte autant aux volontaires qu'aux bénéficiaires. Donc aux bénéficiaires, en l'occurrence à la Miette, ça nous a vraiment permis d'avoir une expertise pointue sur des questions dans un domaine particulier, qui nous a vraiment permis d'avancer sur notre projet. Ça nous a permis aussi de prendre du recul, parce que d'avoir le regard extérieur de professionnels dans notre milieu aussi et qui ne connaissent pas du tout notre projet, bah, ça permet aussi de se rendre compte de comment on communique dessus, de vraiment se questionner dessus. Et puis ça nous permet aussi, encore une fois, de nous confronter à un autre milieu avec lequel on n'est pas habitué de travailler, mais avec lequel on va être de plus en plus amené aussi à collaborer. Donc du coup, ça a une bonne expérience pour ça. Et pour les volontaires, bah, ça rejoint un peu ce que disait Fabienne. Pour avoir discuté avec la plupart, ça donne vraiment du sens à leur pratique. En général, ils apprécient beaucoup de pouvoir avancer sur un projet d'intérêt général, à vocation sociale, pour le bien commun. Et là aussi, ça leur permet de se confronter à un autre milieu qui est le monde associatif, parce que du coup, tous ne connaissent pas forcément ce milieu-là. Donc pareil, il y en a aussi qui nous disent, bah, n'hésitez pas à nous rappeler après, on est intéressés. Voilà. Après, c'est vraiment un temps d'échange, parce qu'on a vraiment des compétences différentes, mais elles sont vraiment complémentaires. Une fois qu'on arrive un peu à synchroniser et paramétrer notre langage et qu'on se dit, bon, bah, quand on dit tel mot, ça veut dire ça pour tout le monde. Après, c'est un peu comme une équipe, je comparerais peut-être à comme un match, en fait, un peu sportif. On est tous une équipe avec chacun nos compétences, nos capacités, nos postes, nos spécialisations. En une journée, c'est très intense, en fait. On a vraiment une journée pour avoir un rendu à la fin. Donc toute la journée, on fusionne. C'est vraiment du remue-ménage, on transpire ensemble. Et à la fin de la journée, en fait, on arrive à quelque chose qu'on n'imagine même pas possible le matin. Du coup, là, on se rend compte qu'une fois de plus, on a vraiment des compétences différentes, mais qu'allier ces deux milieux et toutes ces compétences, bah, ça permet vraiment d'aller plus loin. Merci. Je leur ai demandé un exercice pour la deuxième partie de notre table ronde, c'est de me raconter une histoire. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires, et je sais que vous aussi. Donc, chacun va nous raconter une histoire. Sabine, vous avez, vous, un bel exemple d'évolution professionnelle appuyé sur des compétences qui étaient développées au départ dans le cadre d'un engagement associatif. Alors oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un peu timide, qui est venu un jour dans mon bureau, comme ça arrive dans nos bureaux. Les DRH n'ont pas que des mauvais côtés, ils aident parfois les gens à progresser aussi. Et me racontant qu'il avait envie de faire autre chose et qu'un jour il voudrait être DG. Et je trouvais plutôt ça joli comme ambition, si ce n'est qu'il avait un peu du mal à exprimer les choses. Donc on a un peu raconté d'où il venait, ce qu'il avait. Il a 27 ans, il vient juste d'être papa. C'est quelqu'un de fabuleux. Et puis en racontant un peu sa vie, il a fini par lâcher des choses, et entre autres un engagement associatif. Assez intéressant dans un mouvement particulier et qui est là depuis tout petit et dans lequel il avait pris une place importante puisqu'il est trésorier de l'association avec des montants financiers conséquents et aujourd'hui son métier c'est contrôle de gestion et on discutait sur son évolution professionnelle et entre autres sur la partie managériale de son évolution professionnelle dans lequel il ne se sentait pas du tout à l'aise. Et en partant de cette idée-là, de ce qu'il avait développé lui par ailleurs dans le monde associatif, on a pu imbriquer les choses et créer un parcours. Aujourd'hui, il a pris la responsabilité d'une petite équipe, tout récemment, il y a une semaine.
Il en est super fier. Je l'ai vu traverser le couloir et j'ai souri en moi-même tout à l'heure puisque je l'ai vu traverser un peu différent de ce que je l'ai vu les mois précédents dans nos différents échanges. Et il est fortement à l'origine de ce que je suis en train d'impulser dans l'entreprise, qui est d'affirmer nos engagements associatifs pour les mettre au service des autres et de pouvoir créer en interne ce mécénat de compétences qui est moi je suis engagée dans une asso, je sais pas faire de la compta, est-ce que je peux aller voir une heure la compta pour essayer de lire mon bilan et m'aider sur la partie associative. Voilà, donc il est à l'origine de ce que j'espère pouvoir développer grandement dans l'entreprise dans les mois qui viennent. Merci, elle est jolie hein, cette histoire. Mais vous allez voir, elles sont toutes extraordinaires. Fabienne, alors vous, ce qu'on a convenu, que vous allez nous raconter un exemple d'action. Oui, en fait, à la Fondation Ivoi, il n'y a pas une histoire, il y a plein de belles histoires. Et effectivement, c'est le bilan de nos 10 ans de fonctionnement parce qu'on a plein de projets avec plein de collaborateurs. Bon, je me suis dit que j'allais prendre la plaquette et quand je vois, par exemple, cette créatrice de fleurs de soie, aujourd'hui elles sont 4 ou 5 en France, en début du siècle, au début des années 1900, il y en avait 500, elle fournit les grandes maisons de luxe. Sévrida, elle est seule avec 2 enfants, elle a offert une couronne de fleurs pour Émilie, qui était une consultante advisory comme Armel quand elle s'est mariée. Pour moi, c'est des choses qui me touchent. Ou quand je regarde Séverier, Natacha et Eric, qui peinent vraiment à trouver un modèle économique. Et leur fille de 10 ans, elle voit ses parents qu'à travers le prisme du fait que les parents disent toujours non parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et on s'est intéressé à ce projet. Il y a une associée qui est allée les voir un week-end avec son mari. On a acheté une pièce chez EY. Ses parents ont ouvert une galerie chez eux, près de Montargis, au bout du monde. Et elle a 9 ans et maintenant elle a dit, je ne sais plus quelle était sa phrase, mais en fait, ses parents maintenant existent. On voit comment on s'intéresse à ses parents. Elle voit que ses parents ont de la valeur. Donc elle est fière de ses parents. On ne fait pas non plus des miracles en aidant à trouver un modèle économique. L'idée, c'est de s'intéresser à l'autre, partager son réseau, ses compétences. Ou quand je vois, je ne sais plus, ou quand je vois cette Eugénie qui a créé les petits chantiers de la vie qui vise à décorer, à restaurer les chambres d'enfants, des enfants qui sont souvent dans des familles monoparentales. Ils ont honte de leur chambre, donc ils n'invitent jamais des copains au goûter d'anniversaire. On a aidé le projet, on a fait un marathon. Et grâce encore à cette Émilie formidable, qui est d'ailleurs dans une autre entreprise, toujours engagée à la Fondation, on a pu montrer qu'on pouvait salarier la maman. Donc en fait, ce n'est pas une histoire. Moi, c'est plein de choses qui me rendre heureuse de faire du bien. Alors, je veux pas parler de projets j'ai un créateur de vêtements pour personnes handicapées, pour personnes valides. Chaque fois qu'il me voit, il m'apporte un cadeau. Et pourtant, il n'a pas aidé beaucoup dans ce projet. Chaque fois qu'il y avait un parrain, il finissait par démissionner au bout de 6 mois. Donc, je trouve qu'on n'a pas été efficace. Mais n'empêche qu'on s'intéresse à lui et c'est ce qui compte. Donc, c'est s'intéresser à l'autre. Pour moi, c'est l'intérêt de la fondation ou du marathon, peu importe que ce soit une fondation ou autre. Et merci. Effectivement, j'avais bien compris que vous en aviez plein des histoires et qu'il fallait choisir. Armel, vous, quand on a échangé ensemble, j'ai compris qu'un de vos plus beaux souvenirs était lié à votre premier projet avec la fondation. Alors effectivement, moi, j'ai pas autant de projets que Fabienne peut en avoir. Mais le premier projet sur lequel je me suis impliquée dans la Fondation EY, c'est un projet qui s'appelle You Factory, qui est basé à Lyon. Donc c'est une usine collaborative. Le constat de départ qui avait été fait par la créatrice, la porteuse de projet, elle venait des arts décoratifs et en fait elle avait beaucoup de mal à trouver des lieux dans lesquels elle pouvait faire du prototypage ou des objets en petite série. Parce qu'elle avait besoin d'accéder à des machines un peu spéciales, des imprimantes 3D, des machines de découpe, des choses qu'on ne trouve pas forcément facilement, qui sont très chères.
Donc investir dans une machine comme celle-là, quand on est indépendant, c'est juste inenvisageable. Et elle s'est dit, moi je veux créer un espace où je vais pouvoir mettre à disposition des machines comme celle-ci pour des gens qui sont dans la même situation que moi, qui sont des professionnels mais aussi des particuliers. Et donc c'est comme ça qu'est né son projet. Elle a embarqué son fils dans le projet, donc c'était un peu particulier parce qu'il y avait aussi la question des relations familiales de temps en temps à gérer quand on les rencontrait. Et tout le long de l'accompagnement, en fait, on l'a vu passer par différents stades, des moments où elle était complètement euphorique à des moments où elle était complètement abattue parce qu'elle rencontrait que des difficultés. Donc c'était fallait aussi qu'on lui apporte une certaine constance quelque part. Et peu de temps après avoir fini l'accompagnement dans le cadre de la fondation, ils ont fini par identifier un lieu et par s'installer au Pôle Pixel à Villeurbanne. Donc elle a organisé une grande inauguration où ils ont fait venir tous les gens qui avaient évolué autour du projet depuis l'idée de départ qu'elle avait pu avoir. Donc elle a reçu, alors j'ai plus en tête le nombre, mais plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Ça a duré toute une après-midi et une soirée. Et elle était tellement ravie de nous présenter son lieu, ses machines, de nous expliquer les offres qu'elle était en train de mettre en place dans cette usine collaborative. J'ai trouvé ça, vraiment, c'était la concrétisation de tout le temps qu'on avait passé auprès d'elle pendant la période où elle montait ce projet. Merci. Encore une très jolie histoire. Mais de toute façon, je vous dis, je vous ai tous déjà entendus et je sais qu'il y a vraiment de quoi se réjouir. Ludovic, c'est une histoire à venir, hein, puisque vous avez démarré lundi avec un groupe de 7 bénéficiaires. Vous étiez depuis avril sur ce projet. Là, ça y est, les choses ont démarré. Et en fait, vous avez déjà 2 boutiques éphémères en gestation, j'ai mis, mais racontez-nous de quoi s'agit-il. Puis profitez-en, vous avez une clientèle potentielle. Alors c'est une invitation pour dans 2 ans, enfin dans 24 mois, parce que j'aurai 7, j'espère, 7 belles histoires à vous raconter, mais il faudra me réinviter. Une des dimensions de notre accompagnement, du coup, c'est de mettre les jeunes en apprentissage par le faire, en test and learn. Donc on leur met à disposition, on met 3-4 porteurs de projets dans une boutique, et du coup ils vont tester leurs projets. En même temps qu'on les accompagne, du coup, on va modéliser avec eux leur projet. On va construire avec eux ce business plan. On ne leur demande pas de le faire en amont, on va le faire en aval, en testant. Et du coup, pour nous, l'enjeu fort auprès de ce public-là, c'est cet apprentissage par le faire. On n'est pas sur du scolaire. Il faut les monter, ces boutiques. Donc on a la chance d'avoir un premier partenaire qui est la commune dont vous avez peut-être entendu parler, qui est ouvert une halle de restauration du coup avec une quinzaine d'échoppes dans le 7e. Donc on a un partenariat avec eux et on va mettre 2 porteurs de projet dans une de ces échoppes pour qu'ils puissent tester leur projet. Et on a une deuxième, boutique dans la galerie marchande de Carrefour au 7 chemin à Vaux-en-Velin, donc sur la zone d'activité Roosevelt. On va mettre 3 porteurs de projets dans le domaine du textile, du prêt-à-porter, dans cette boutique. Et du coup, il faut l'aménager, il faut répondre aux obligations techniques du bureau de contrôle, etc. etc. Donc, il faut aller chercher des compétences pour s'occuper de tout ça. Donc on arrive à en gérer en interne, mais du coup on cherche des aménageurs d'espace, on cherche des personnes qui ont des compétences sur la communication. Donc c'est l'occasion de faire un appel à demi-mot presque. Nous avons besoin de compétences pour aménager ces boutiques, organiser ces boutiques, pour accompagner ces jeunes 2 fois par semaine à hauteur d'une demi-journée, pour les accompagner dans la gestion de cette boutique, et etc. Je vais m'arrêter là. Vous penserez à distribuer votre adresse mail pour que les gens qui ont les compétences ou le réseau qui va bien vous envoient. Merci beaucoup Ludovic. Amélie, on va terminer avec vous. Ce dont vous vous souviendrez longtemps, c'est votre première journée, votre arrivée chez EY le jour du marathon. Oui, voilà. En effet, le marathon avec EY, on l'a fait dans leurs locaux.
qui se trouve dans la tour à côté de la Pardieu, c'est Oxygène. Donc on était trois personnes de la Miette, donc administrateurs et salariés. On arrive devant la tour, alors déjà bon, c'est assez impressionnant. Après on rentre dans la tour et là on dit il faut un badge. Bon ok, alors on va à l'accueil, on fait la queue, 10 minutes, 15 minutes, on a un badge. Après on dit est-ce que vous savez utiliser l'ascenseur ? On fait bah ouais, enfin on sait utiliser l'ascenseur. Bon, on passe le portique et on arrive devant 10 ascenseurs. Il y a une borne avec plein de chiffres. Enfin, bref, voilà, donc il fallait prendre le bon ascenseur qui va au bon étage avec la bonne borne. Enfin bref. Du coup, on arrive à l'étage. Ah oui, pensant, on était dans l'ascenseur avec des personnes qui s'arrêtaient à chaque étage. Donc tout le monde bon, en costard avec sa mallette. Donc personne ne se parlait, mais à chaque étage, c'était très cordial. C'était bonne journée, bonne journée. Y a pas qui voie. Non, il n'y a pas qui voie. Donc on arrive à l'étage et là il y a deux portes coulissantes de chaque côté. Donc on tente notre chance sur la première, bon ça marche pas avec le badge. Du coup on va à la deuxième, donc ça s'ouvre, là encore un accueil, bon. Du coup on nous redirige vers la salle de pause en fait où on nous attendait. Salle de pause qui fait à peu près la surface de l'ensemble de nos locaux. Du coup on se sentait un peu, perdu, mais par contre on est très bien accueillis. Tout de suite on nous a dit bienvenue, on nous a tutoyés, on nous a dit si tu veux un café, vas-y, c'est là-bas. On va là-bas, 10 Nespresso, 10 machines Nespresso alignées, 30 choix de saveurs de thé. Enfin, nous, on était, nous, dans nos bureaux, juste, c'est quand on a une machine à café, une bouilloire qui fonctionne, on est super contents. Donc voilà, on était un peu dépaysés, en fait, quand je parlais de... C'est l'espace client. Voilà. Des collaborateurs. Quand je disais un peu choc interculturel, c'était un peu ça pour nous. Et après, on s'est retrouvés dans une grande salle de réunion avec vue sur la Pardieu. Et voilà, bon, bref. Une fois qu'on était tous autour de la table, c'est vrai qu'on était un peu impressionnés au premier abord. Et puis finalement, une fois qu'on a réussi une fois de plus à se mettre, se paramétrer, une fois de plus se présenter et commencer à travailler, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait tous des compétences et que finalement, à la fin de la journée, on a réussi à construire quelque chose d'encore de plus grand que ce qu'on aurait pu faire si on avait été que seul entre nous ou je pense que EY tout seul. Et voilà, du coup, pour parler de cette différence de culture, mais finalement, qui est vraiment complémentaire. Voilà. Finalement, vous n'étiez pas des extraterrestres. Et eux non plus. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si vous les aviez invités chez vous et ce qu'eux en avaient pensé. Ça pourrait être intéressant pour une prochaine occasion. Merci beaucoup à vous cinq. Je pense qu'effectivement, on a entendu et le côté... pourquoi y aller, comment y aller, qu'est-ce qui s'est passé dans les différentes étapes qu'ont vécues les uns et les autres. Et puis, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, c'était, au travers de ces histoires, c'était la passion qu'on entend et l'envie et tout ce que ça a généré chez les uns et les autres, parce que moi, j'ai eu plaisir à les écouter et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous pour ces très belles histoires. Je vais vous parler maintenant d'ancrage territorial, puisque vous le savez, notre ambition chez Pro Bono Lab, c'est de permettre aux organisations à finalité sociale d'accéder aux compétences dont elles ont besoin. Alors, pour que le Pro Bono n'oublie personne, nous développons nos opérations, nos formations, nos actions de sensibilisation dans de nombreuses régions de France. Fort de 3 antennes régionales aujourd'hui, il est temps pour nous d'affirmer nos convictions au-delà. Et c'est donc Émilie Vulquez, en tant que directrice du développement territorial, qui va mettre son expérience au service de régions, de territoires, où le tissu associatif et les acteurs économiques ont besoin d'outils et de connaissances en matière d'engagement. Et elle va ainsi nous permettre de nous enrichir de leur connaissance des problématiques sociétales, de leur inventivité pour coopérer et de leur regard varié et complémentaire. Cette intensification de notre ancrage territorial démarre cette année avec un très beau partenariat pour nous. C'est la signature d'une convention entre la Fondation Groupe EDF et Pro Bono Lab. C'est un partenariat structurant pour nous, qui nous permet de nous projeter et surtout de nous inscrire dans notre posture d'accompagnement dont vous parlez, Sylvain, précédemment. Donc cette convention vise à engager 200 collaborateurs du groupe chaque année pendant 3 ans sur l'ensemble des territoires couverts.
D'ailleurs, Denis Beauchard, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, vous en parlera un peu plus dans la prochaine table ronde. Donc pour la petite histoire, c'est en 2015 que la fondation Groupe EDF a expérimenté pour la première fois le marathon pro bono. Et la fondation souhaite désormais aller plus loin et alimenter sa palette d'offres d'engagement associatif en engageant les territoires dans ses actions pro bono. Ces actions seront réalisées en adéquation avec les contraintes des salariés, les enjeux du management et des territoires. Elles mobiliseront les collaborateurs du groupe, mais aussi potentiellement d'autres acteurs, comme des étudiants, des demandeurs d'emploi ou d'autres profils. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Émilie, qui va vous présenter notre dernière table ronde. Merci Clémence. Alors effectivement, on dit jamais 203, donc ce soir vous aurez trois tables rondes. Donc j'invite à me rejoindre Christelle, Françoise et Denis pour une table ronde consacrée à l'ancrage territorial des actions d'engagement citoyen. Et par contre, je n'ai pas mes notes, donc ça va être un tout petit peu compliqué d'animer. Alors, si quelqu'un veut bien me retrouver mes notes pendant que je suis en train de présenter du coup les différents intervenants. Donc Denis Beauchard a déjà été présenté par Clémence, c'est le directeur de l'engagement associatif des salariés. Il travaille au sein de la fondation Groupe EDF, qui regroupe du coup EDF, Dalkia, Enedis et EDF Énergie Nouvelle. Christelle Champion est l'une des salariées justement du groupe EDF. Elle partagera avec nous son engagement, qu'elle réalise à la fois au sein du groupe et de manière bénévole pour Emmaüs. Et enfin, Françoise Delorme, qui est chargée de mission du développement économique au sein de la métropole de Saint-Étienne et qui nous parlera du coup de l'action de la métropole justement en faveur du mécénat de compétences. Alors, tout d'abord, Françoise, je ne sais plus dans quel ordre, très honnêtement, je devais vous poser quelques questions, donc on va laisser place à l'improvisation et vous me pardonnerez si tout n'est pas exactement fluide. Je vais tout d'abord donner la parole à Denis Bouchard, puisque vous avez réalisé une enquête au sein de la Fondation Groupe EDF et 55% des salariés que vous avez interrogés déclarent qu'ils souhaitent s'engager pour des associations. Et il faut savoir qu'il y a un peu plus de 40% qui sont déjà engagés à titre bénévole. Et donc vous êtes dit, bah, cette envie de s'engager, cet engagement qui existe déjà, comment est-ce qu'on fait nous en tant que fondation, en tant que groupe aussi, pour lui donner toute, j'ai envie de dire, son ampleur, toute sa puissance, et comment est-ce qu'on peut être là comme un facilitateur de cet engagement? Et vous avez une attention particulière au fait que les salariés puissent s'engager sur tous les territoires, puisque le groupe EDF, je ne vais pas le présenter, tout le monde le connaît, vous êtes présent vraiment partout en France, et donc c'est un enjeu particulier pour vous, non seulement d'avoir des actions, j'ai envie de dire, comme plusieurs entreprises et fondations assez emblématiques, avec des grands noms, des gros projets, mais aussi de permettre à chaque collaborateur, où qu'il soit, de s'engager pour une association. Pourquoi cette importance, en fait, à cet ancrage local ? Alors, le concept de base, je ne sais pas si tout le monde connaît EDF, tout le monde connaît la lumière, l'électricité, etc., mais tout le monde ne sait pas forcément qu'EDF, c'est effectivement EDF, Enedis, Dalkia, EDF Énergie Nouvelle et un certain nombre d'autres structures. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est une entreprise qui est née du service public. C'est une entreprise qui est née parce que, au moment à la libération, il fallait amener l'électricité dans chaque maison et que c'était un service public, un bien d'intérêt général. Et ça, c'est resté et ça imprègne très, très, très fortement l'entreprise. L'électricité est un bien indispensable à la vie. L'entreprise est présente sur tout le territoire et les salariés portent très fortement à cœur dans leur culture cette notion d'intérêt général et de service. Voilà. Et c'est ça notre capital. C'est ça qui fait que aujourd'hui, dans une entreprise lambda, 25% des salariés, c'est un fait ignoré. Hein. On est quel jour aujourd'hui ? On est mardi. Voilà. Si dans les jours qui viennent ou le samedi soir avec des amis, vous voulez tester un peu ou faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ou demain matin à la pause café, discuter avec vos collègues, vous dites, au fait, c'est quoi le bénévolat en fin de compte ? Et c'est qui et c'est quoi? Oh, mais le bénévolat, c'est la vie privée, le bénévolat, c'est... Eh bien, ouais, il y a 16 millions de bénévoles en France. Et la majorité des bénévoles sont des salariés. Donc, ils sont chez nous. Voilà, donc ils sont dans les entreprises. Ah ouais, mais alors, mais c'est qui? Et ils sont combien? Eh bien, c'est 25% des salariés. Dans mon entreprise, dans votre entreprise, chacun d'entre vous, un quart de vos collègues donne du temps bénévolement, gratuitement, pour des associations. Pour l'intérêt général, gratuitement, leur propre choix, pour des choses qui les dépassent, pour des choses qui sont utiles, pour des choses qui provoquent de la satisfaction, pour des choses qui contribuent à changer le monde. Ah ouais,
Voilà, moi j'aime bien Martin Hirsch quand il intervient, il dit « Moi, j'ai toujours voulu changer le monde, c'était bizarre de le dire, ben maintenant j'ose le dire. » La Jeune Chambre économique française, leur thème cette année, c'est « Je veux changer le monde ». Ben voilà, faisons ça. Disons-nous que, entre nous, on veut changer le monde, on veut contribuer à changer le monde. Ça, c'est un point pour moi absolument fondamental. Cette notion d'intérêt général, de service public, d'engagement, elle passe par la volonté que on peut, on veut, on a envie de faire quelque chose. Et puis elle passe par aussi le constat qu'il y a plein de gens qui le font. Alors, 16 millions de Français, un quart de nos collègues. Donc notre point de départ, il est celui-là. Il est que quand on a commencé à regarder ce qui se passait, on s'est aperçu que dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est pas un quart, c'est 40% des salariés. 40% des salariés aujourd'hui, sans qu'on fasse rien, sans qu'on dise rien, sans qu'on ait de politique, de dispositif, de quoi que ce soit, font des choses pour l'intérêt général. Et on s'est dit, mais il en reste 60%. Qu'est-ce qu'on fait de ces 60%? C'est qui ces gens-là? C'est des égoïstes. C'est des gens qui restent chez eux. C'est des gens qui s'en foutent. Eh ben non, pas du tout. Les 60% qui restent, ils ont envie. Comme vous tous, voilà, si on faisait un sondage dans la salle, qui est-ce qui est engagé dans une association, qui est-ce qui ne l'est pas? Ceux qui ne sont pas engagés, quelque part dans leur tête ou dans leur cœur ou dans leur trip, ils ont envie d'être utiles. Ils ont envie de s'engager. Sauf que ce n'est pas toujours facile de se dire par où je rentre, à qui je m'adresse. Voilà. Et je viens à la question de l'engagement citoyen, hein, on parle beaucoup de citoyenneté, d'engagement citoyen, mais citoyen, ça veut dire cité. Cité, ça veut dire république, chose publique. Et la cité, la chose publique, la démocratie, ça commence par la proximité. Il n'y a pas de démocratie sans proximité. Il n'y a pas de vie associative sans proximité. Il n'y a pas d'engagement sans proximité et sans le fait de se sentir partie prenante d'une unité. On peut être citoyen du monde, c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en œuvre. Être citoyen d'un pays ou de l'Europe, on le sait bien, c'est pas toujours facile à percevoir. Être citoyen et acteur dans son quartier, alors là, ouais, là c'est tangible, c'est sensible, c'est, quelqu'un disait tout à l'heure, c'est Fabienne qui le disait, des actions concrètes. Voilà, j'aime beaucoup l'action d'EY sur, on veut des actions concrètes, les gens ont besoin d'actions concrètes. Eh bien, nous, on s'est dit, l'engagement citoyen, il démarre par le territoire. Et le territoire, c'est la proximité, c'est la ville, c'est le quartier, c'est tout simplement, en France, les 13 régions, hein, qui existent depuis maintenant 2 ans, voilà, et qu'on ne connaisse pas tous par cœur encore. Mais ces régions-là, ces territoires, cette relation de proximité, c'est ça qu'on veut favoriser, et on rentre, je m'arrête là, on veut rentrer dans cette action pour valoriser, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, valoriser et favoriser l'engagement citoyen, à partir de la proximité, à partir de ce qui se fait dans les territoires. Merci Denis. Et justement avec nous ce soir, on a Christelle qui représente, on va dire, les 40% et qui va du coup nous expliquer comment est-ce qu'elle s'est engagée auprès d'Emmaüs. Et moi j'étais intéressée par cette histoire parce qu'on se rend compte que c'était pas indifférent par rapport au rôle de l'entreprise et d'EDF. Alors je sais pas si je représente les 40%, en tout cas je fais ma part de colibri, comme dirait quelqu'un que certains d'entre vous connaissent sûrement bien, qui est Pierre Rabhi. Pourquoi je me suis effectivement engagée comme bénévole, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est que je porte au sein de la délégation régionale d'EDF, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 22 000 collaborateurs. Donc oui, c'est vrai que ça fait du monde qui peut s'engager. Donc je porte le programme RSE depuis une année, je co-porte le programme RSE, où j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à ce programme, un certain nombre de personnes extraordinaires, dont certaines sont dans la salle, qui sont justement des personnes engagées. Pour moi, la notion d'engagement, c'est quelque chose de fondamental, et la notion aussi d'alignement. Donc, porter un programme, parler tous les jours RSE, rencontrer des partenaires RSE, essayer donc de faire du mieux qu'on peut avec, effectivement, on a la chance d'avoir une belle entreprise avec une belle fondation et un certain nombre de moyens, pouvoir distribuer, je veux dire, contribuer justement à irriguer le territoire. Ça ne pouvait se concevoir, de mon point de vue, qu'en étant engagé aussi à titre bénévole et de manière indépendante de l'entreprise. Même si, en étant engagée comme bénévole, je fais aussi de mon mieux pour pouvoir essaimer à l'intérieur en tant qu'ambassadrice d'un engagement, ambassadrice en fait de toutes ces notions qui font le monde. Denis parlait de changer le monde, effectivement, je crois qu'on peut aussi le changer parce qu'on est en lien et en synergie avec le monde. Et le monde, je trouve qu'il est de plus en plus solidaire et pas tant égocentrique et pas tant individualiste que ça. Et d'ailleurs, la preuve en est, vous êtes là ce soir et moi, des gens engagés, des gens solidaires, j'en vois tous les jours.
Merci Christelle. Françoise, on voit à travers cet exemple la porosité, on va dire, entre l'entreprise dite classique et puis les entreprises de l'économie sociale et solidaire. En tant que métropole, en tant qu'acteur public, quel est l'intérêt pour vous de faciliter et de mettre en place des actions pour inciter les deux côtés justement à se rencontrer, à coopérer? Alors, je vais peut-être refaire juste un petit peu de cadrage sur mon service, puisque moi, je travaille au service du développement économique. Et mon métier premier, c'est d'accompagner des entreprises, on va dire, traditionnelles sur des questions très basiques ou concrètes d'immobilier, de foncier, de développement, d'investissement, etc. Et puis, on m'a proposé, il y a quelques temps, donc, de prendre en charge aussi la politique d'économie sociale et solidaire. Donc, chez nous, c'est une vraie politique publique au sens où on a un élu, un budget. Et l'intérêt pour une collectivité comme la nôtre de s'occuper d'économie sociale et solidaire, c'est dans le cadre de l'enjeu de l'emploi, qui est notre enjeu premier et notre enjeu sur lequel on se rejoint, qu'on soit dans l'économie traditionnelle ou économie sociale et solidaire, puisqu'on est sur un territoire où on a à peu près 13% d'emplois salariés qui dépendent de l'économie sociale et solidaire. De ce fait-là, je dirais, ce qui compte pour nous et les valeurs sur lesquelles on se retrouve, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, il y a surtout l'économie. Et certes, effectivement, il y a tout ce qui fait la valeur, tout ce qui fait l'engagement, mais on veut des entreprises, enfin des structures ou des entreprises qui soient économiquement viables et qui puissent se développer et perdurer tout au long de leur vie et voir se développer. Donc je dirais ça, c'est un peu le fondement de notre action, c'est en quoi déjà nos deux mondes, je dirais ne serait-ce qu'au quotidien, se rejoignent, puisque dans le même service, on a bien ces deux aspects-là. Ensuite, pour répondre à votre question, donc nous, dans notre politique publique, notre objectif, c'est vraiment de mettre en place un écosystème avec plein d'outils à la disposition des structures pour qu'elles puissent naître, se développer, se professionnaliser, enfin se perdurer et développer. Et on a un certain nombre d'outils qui sont là depuis longtemps, comme le DLA, vous, pour certains, doivent connaître, donc le dispositif local d'accompagnement, qui est un outil un peu central pour l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire par des diagnostics dans des moments un petit peu de crise, souvent. Donc on met en place un DLA, donc un diagnostic, un consultant vient, il pose le diag, il dit vous avez des problèmes de stratégie, de gouvernance, etc. Il pose son plan d'action et puis il s'en va. Donc après, souvent, on a notre structure qui est là avec plein d'envie d'avancer, des bénévoles plus ou moins professionnels ou en tout cas en compréhension des enjeux qui sont face à elles. Mais en tout cas, il faut faire à un moment donné. Et pour faire, des fois, c'est pas évident. Et c'est en là où on sens, où nous, on souhaite mettre en place ce bénévolat de compétences pour pouvoir aussi, à un moment donné, aider des structures à mettre en œuvre une plaquette, un flyer, un recrutement, et pour pouvoir aller de l'avant après avoir fait l'état des lieux. Et puis, alors, ça rejoint la base, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des structures de l'économie sociale et solidaire, des entreprises, et puis finalement, on a juste des gens qui avancent ensemble, quoi. Merci Françoise. Christelle, comme vous l'avez évoqué dans votre témoignage, en fait, vous êtes en liaison avec l'ensemble des interlocuteurs sur la grande région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous voyez aussi la diversité des territoires et vous accompagnez certains de vos collègues justement à essaimer des pratiques d'engagement citoyen, vous leur donner des informations sur les actions que vous avez vues qui vous paraissent intéressantes. Vous essayez de mettre en avant ces initiatives à travers les différents échanges avec ces personnes-là sur différents territoires. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont les enseignements que vous pouvez tirer de ces échanges, on va dire, internes sur ce sujet de l'engagement citoyen? Bon, alors déjà, c'est vrai qu'on est très ambitieux, hein, et on en est, j'allais dire, au démarrage de la mobilisation interne. C'est pas évident. Alors, bon, je vous rappelle que DEF, c'est quand même une entreprise qui, dans le cœur de métier, c'est de produire de l'électricité. Donc, l'engagement, c'est bien. L'engagement citoyen, c'est bien. Mais d'abord, on doit faire en sorte que j'allais dire, la France soit éclairée et que vous puissiez vous chauffer. Donc, c'est quand même, j'allais dire, la difficulté, c'est parfois de mobiliser. Et on comprend tout à fait que nos unités, elles ne sont pas toutes prêtes à lâcher, j'allais dire, des collaborateurs pour faire ça. Cependant, on a donc lancé il y a quelques mois un réseau de correspondants donc en unité pour pouvoir justement infuser en fait un peu de RSE au sein donc de nos unités et effectivement faire du partage de pratiques. Parce que Denis a cité aussi l'exemple des bénévoles qu'on n'a pas repérés, qu'on ne connaît pas forcément, mais on sait qu'il y a des choses qui se font, on sait qu'il y a des initiatives qui sont prises, et l'idée c'est de les regrouper, de les fédérer, de les partager, et puis de voir comment tous ensemble on peut aller plus loin, on peut aller plus fort. Donc voilà un peu où on en est. Et puis, je voudrais aussi dire quand même quelques mots d'Emmaüs. Emmaüs, moi, ça a été vraiment une belle rencontre cette année. J'ai trouvé
Ils faisaient peut-être moins de bruit que certaines autres structures. En tout cas, ils faisaient leur petit bonhomme de chemin. Donc, il y a 90 personnes qui vivent à la communauté, donc Emmaüs de Vénissieux. Et justement, le réseau des correspondants en unité, on est allé passer une journée donc, avec Emmaüs, donc une journée solidaire, pour aussi sortir de nos cadres, sortir de nos unités, sortir de notre quotidien et de notre production d'électricité pour justement aller un peu prendre l'air et voir autre chose. Et franchement, quand on est revenu, on n'était plus pareil. Enfin, certains m'ont dit, bah oui, on a vécu quelque chose de différent. Et je crois que c'est ça qui fait du bien. C'est de pouvoir aller prendre l'air et voir des choses différentes. Merci Christelle. Françoise, récemment, une étude territoriale a été réalisée par Pro Bono Lab sur justement les modalités de coopération assez variées entre les entreprises dites traditionnelles et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a une information assez importante qui a été mise en évidence, c'est que les entreprises qui s'engagent déjà le font notamment pour l'ancrage territorial, on va dire c'est dans les trois premières raisons d'engagement, et les entreprises qui souhaiteraient le faire, elles le placent en numéro 1, c'est-à-dire que le fait d'avoir un lien direct avec des acteurs du territoire, voilà, de proximité à côté d'elles, ça semble être leur moteur premier, donc c'est aussi ce qui les différencie un tout petit peu de celles qui sont déjà engagées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné, et comment est-ce que vous le reliez à d'autres dynamiques du territoire et des dynamiques économiques ? Étonnée, non, j'aurais pas forcément dit ça, puisqu'en fait, souvent, dans le cadre des relations qu'on a avec les entreprises, on va dire plutôt traditionnelles, elles sont souvent nées sur leur territoire. Des fois, c'est des entreprises de familiales qui se transmettent de père en fils ou de père en fille, et qui ont juste envie d'être là et de contribuer au développement du territoire, alors stéphanois, hein, pour lequel ils sont relativement attachés. Et après, on est tous un peu conscients des limites qu'on peut avoir, hein, en termes notamment d'image, d'attractivité, avec des images qui nous collent à la peau, qui peuvent être aussi pénalisantes d'un point de vue très économique sur des recrutements, par exemple, avec des cadres qui ne veulent pas forcément aller se perdre à Saint-Étienne ou des conjoints qui ne veulent pas suivre. Et donc, forcément, je dirais, c'est aussi une manière, chacun à notre niveau, de contribuer au développement de ce territoire, d'en faire changer l'image, de faire perdurer aussi une histoire de solidarité, puisqu'on est, on est quand même sur un territoire où il y a un certain nombre de mutuelles qui sont nées sur ici, dans des vieux mouvements. Donc c'est aussi cette notion de solidarité, on le dit souvent, Stéphanois, il est quelqu'un plutôt d'attachant et qui sait se tourner vers l'autre. Donc ça, on retrouve l'ensemble de ces valeurs, essayer d'appuyer sur nos points forts et d'aller un peu plus loin ensemble. Merci. Denis, c'est à vous le mot de la fin. Je vois que vous prenez en note attentivement tout ce qui a été dit. Le mot de la fin, si vous voulez bien, ça serait sur... alors, visiblement, les bonnes pratiques, ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, les quelques actions que vous avez déjà mises en place ou que vous envisagez de mettre en place et qui vous paraissent intéressantes pour d'autres entreprises à tester, pour permettre à plusieurs territoires de s'engager et justement de faire rayonner, de distiller, on va dire, la culture de l'engagement ou en tout cas la culture de l'intégration de l'entreprise dans l'engagement du citoyen et des collaborateurs. Qui est-ce qui est représentant d'une entreprise dans la salle ? Vous pouvez lever la main. Ah, pas tout à fait. C'est pas une majorité, hein ? C'est pas une majorité. Intéressant. Alors, ceux qui ne sont pas représentants de l'entreprise, votre job, c'est d'aller convaincre les entreprises, n'est-ce pas ? En tant qu'association, d'aller voir, d'aller les convaincre, etc. Ceux qui sont dans l'entreprise, c'est peut-être d'aller convaincre vos patrons, patronnes, collaborateurs, etc. Voilà. Donc, la préconisation, en tout cas le conseil que je pourrais donner, c'est que c'est intéressant de s'attacher à l'action. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Il y a une toute petite phase qu'il ne faut pas oublier avant, c'est de réfléchir. Ça a l'air simple comme ça, ça n'est pas tant que ça. Parce que réfléchir, ça veut se dire, avant d'y aller, parce que j'ai mes bonnes idées, mes sentiments, mais je me dis, mais comment je vais convaincre l'autre ? Comment je vais convaincre, on le disait tout à l'heure, hein, un responsable d'entreprise de laisser partir quelqu'un sur le temps de travail ? Alors là, j'aime bien dire, il faut vous accrocher quand même. Hein. Ça, ce n'est pas évident. Comment je vais convaincre une entreprise de parler dans l'entreprise de ce que les gens font en dehors de leur temps de travail ? Alors ça, c'est super compliqué aussi. Je suis légitime ou pas légitime ? J'ai le droit ou j'ai pas le droit ? Mes collaborateurs, ils veulent ou ils veulent pas ? Voilà. On commence à se prendre la tête avec ça, et puis ça peut être une bonne excuse pour ne rien faire.
Donc le point de départ, c'est peut-être se dire où est-ce qu'on habite ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans quel pays on est ? Voilà. On est dans un pays, je le redis, où il y a 16 millions de gens qui donnent du temps bénévolement et la majorité, ce sont des actifs. Redites ça, vous allez voir, vous allez vous faire mousser tout de suite. Hein. Les gens disent, ah bon, vous êtes sûr ? Voilà. Ou le monde associatif, ça représente 1 800 000 emplois, plus que l'industrie automobile. Non. Ah ben si. 80 milliards d'euros. Comment ça, 80 ? Ah ben ouais. Plus que l'industrie agricole et l'industrie et l'agriculture réunies. Donc il faut redire ça. Il faut redire que le monde associatif, ce n'est pas une bagatelle. Ce n'est pas un truc qu'on fait quand on a le temps. C'est un truc, s'il n'existait pas, le monde, notre société en tout cas française, s'arrêterait de tourner instantanément. On ne peut pas imaginer demain notre société sans les associations. C'est juste impossible. La démocratie, n'en parlons pas. Les libertés publiques, n'en parlons pas. L'éducation, n'en parlons pas. On a un modèle où le monde associatif, il est absolument indispensable, partie prenante de ce cas. Donc il faut s'arrêter deux secondes pour se rappeler ça. Parce que ça, curieusement, on ne l'apprend pas à l'école. Et tous nos grands patrons et dirigeants ne l'apprennent pas à l'école non plus. Reprenez les trois chiffres que j'ai cités et testez-les. Vous allez voir, vous allez vous délecter. Donc avançons là-dessus. Commençons par créer le déséquilibre. Ah bah tiens, ah bon, ça représente tout ça. Ah bah ouais. Et en plus, les gens qui sont dans le monde associatif, c'est des gens qui sont à côté de vous, mais vous ne le savez même pas. Peut-être que votre patron, patronne est engagé. Peut-être que votre secrétaire, peut-être que le gardien qui est à l'accueil, eh ben, il est président d'une association. Et pour nous, il est juste le gardien qui est à l'accueil. Point. Basta. Eh ben non. Peut-être qu'il gère des salariés. Peut-être qu'il gère un budget. Peut-être qu'il communique. Peut-être qu'il sauve la vie des gens. Ah ouais. Moi, j'ai une collègue, elle est à la Croix-Rouge. Elle sauve la vie des gens. C'est pour de vrai. En ce moment, elle est dehors, là. Et elle sauve la vie des gens parce qu'elle va récupérer des gens qui, sinon, mourraient de froid cette nuit. Mais si je ne le sais pas, c'est juste une collègue qui fait son boulot avec sa fiche de poste, son boulot, son salaire à la fin de l'année, etc. Donc il faut s'arrêter là-dessus. Et puis si vous avez besoin d'aller plus loin, bah, vous allez voir le panorama de Pro Bono. Voilà. Vous allez voir si vous voulez aller encore un peu plus loin. Et puis si vous, voilà, vous avez un peu de comprimé d'aspirine pour vous soutenir, vous allez lire les études du Rameau. Le Rameau sur Internet, c'est en accès libre, c'est super, c'est un peu dense. Vous allez voir France Bénévolat. Voilà. Pour, vous allez voir Recherche et Solidarité. Recherche et Solidarité, enquête annuelle sur le fait associatif. Et vous montez en puissance là-dessus. Ça vaut pour les associations qui ont besoin de cet argumentaire-là. Ça vaut pour les représentants des pouvoirs publics et ça vaut pour les gens d'entreprise, les gens qui sont engagés dans la RSE, etc. Il faut se battre, il faut des arguments pour se battre. Voilà, allez chercher des arguments. Donc une fois qu'on est un peu solide là-dessus, et puis qu'on se dit aussi, on n'est pas dans un monde où tout va bien quand même, hein. Voilà, on est dans un monde où il y a du chômage, il y a du chômage longue durée, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des familles monoparentales, il y a 17% des jeunes qui finissent leur scolarité sans diplôme. On pourrait continuer. On n'est pas dans un monde idéal. Et le fait associatif, il évite que ces dysfonctionnements de notre société tournent au drame. Et il y a plein de gens que ça embête. Il y a plein de gens que ça embête le drame. Il y a plein de gens qui sont frappés par l'échec scolaire. Il y a plein de gens qui sont frappés par les personnes qui terminent leur vie dans des conditions déplorables. Il y a plein de gens qui ont envie de s'engager là-dedans. Il manque juste des petits déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est qu'un salarié sur 4, 16 millions de Français font déjà ça. Il faut juste pouvoir leur dire, mais bravo, merci, c'est super ce que vous faites. C'est vachement bien cet engagement à Emmaüs. Mais je ne peux pas le dire tant que je ne le sais pas. Donc il faut rendre l'engagement visible pour pouvoir dire à des collègues, à des collaborateurs, c'est vraiment bien ce que vous faites. Accessoirement, on va s'apercevoir qu'en travaillant à Emmaüs ou en travaillant dans telle ou telle association, on développe des compétences, on développe des réseaux, on développe des choses comme ça. Et on va pouvoir peut-être les valoriser. On va s'apercevoir qu'on développe des relations avec la mairie, avec le conseil général, etc. Et on va pouvoir les valoriser. Voilà, ça ne fait pas de mal non plus. Voilà, il faut rester réaliste aussi. Hein. Ça, c'est la première phase de la stratégie. La deuxième phase de la stratégie, c'est de s'adresser à une deuxième partie de nos collaborateurs, des salariés, qui voudraient bien, vous savez la chanson d'Annie Cordy, je voudrais bien mais je peux point. Voilà. Il y a plein de gens qui voudraient s'engager. Moi je travaille dans, notamment sur la solidarité internationale, il y a plein de gens qui disent, moi je voudrais bien, hein, je suis sensible au fait qu'il y a quand même 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'électricité, mais je ne sais pas qui m'adresser, puis on ne sait pas trop quoi, les associations, il y en a des bonnes, des mauvaises, etc. Eh bien nous on va les labelliser. On va dire, cette association elle est solide, vous pouvez y aller. Vous allez donner un coup de main, vous partez avec Planète Urgence en congé solidaire. C'est ce qu'a fait Ménal, qui est une de nos apprenties, qui est juste là, et qui est partie 15 jours sur ses congés, bosser au Bénin, c'est ça ? Voilà. Pendant 15 jours sur ses congés, elle a payé de sa poche son billet d'avion, sa nourriture, son visa, et elle est bossée 15 jours au Bénin. Nous, on l'a aidée. On a donné un coup de pouce à l'association pour permettre à l'association de permettre à quelqu'un
d'aller se rendre utile. Chacun a une compétence utile à l'autre. C'est beau cette phrase, hein ? Vous pouvez la tweeter sans problème, vous pouvez citer, c'est pas moi l'auteur. L'auteur, c'est Planète Urgence. Chacun a une compétence utile à l'autre. Chacun d'entre vous peut aider le développement international au Bénin, au Zimbabwe ou au Pérou. Chacun. Allez voir sur le site de Planète Urgence, vous savez, vous verrez, vous trouverez une mission à votre taille, à votre main qui répond à votre compétence. Donc deuxième stratégie, proposer. Et c'est ce que c'est de faire un certain nombre de structures, de fondations, en disant on a des gens qui voudraient bien, et ben on va leur proposer un truc solide, fait, validé. Et ça, c'est génial. Il y a plein de gens qui répondent. Ils disent, c'est ça que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps, mais je ne savais pas que ça existait. Hein, Planète Urgence, on a des salariés qui ont fait ça, qui ont organisé dans leur entreprise un déjeuner avec des gens vaguement intéressés par l'international. Eh bien, il y a 4 personnes qui, en sortant, ont dit, moi, je pars cette année. À leurs frais, hein, à leurs frais. Ce n'est pas un truc jackpot. 4 personnes, immédiatement. Il y a des gens qui attendent. Et délai à passer. Et puis la troisième et dernière étape, c'est de dire, il y a des gens qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas encore mûrs pour s'engager, mais quelque part, ils ont cette petite graine qui leur dit quand même, si je pouvais faire quelque chose, ça serait pas mal, quand même. Mais bon, voilà, moi, j'y connais rien, moi. Hein. Je suis juste comptable. Là, c'est une phrase classique. Moi, je suis président d'une association, des gens qui viennent me voir en disant « C'est vachement bien, monsieur le président, votre association. » Moi, je ne peux pas vous aider, j'y connais rien, je suis juste comptable. 1 300 000 associations en France. Voilà. Si quelqu'un qui dit « Je suis juste comptable » ne trouve pas un engagement dans une association, il y a un problème. Quand faut-il que les associations elles soient un peu accueillantes ? Des fois, il y a un peu de travail à faire. Mais en tout cas, le troisième niveau, c'est ça. C'est préparer le terrain pour déclencher, pour préparer, pour faire goûter. Voilà. Est-ce que c'est bon la soupe au brocoli ? Oui ou non ? Tant que vous n'avez pas goûté, vous ne savez pas. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut goûter. Puis on se dit, ah, finalement, c'est pas mauvais la soupe au brocoli. Ben, c'est grâce à Pro Bono qu'on peut faire ça. Alors, c'est en 2014 qu'on a commencé à bosser avec vous. On a mis un an à comprendre exactement ce que vous faisiez. Hein. Ce n'était pas si simple que ça. Alors, nous, on est peut-être long à comprendre. Mais il a fallu un petit temps d'apprivoisement, de se connaître, de comprendre. Et surtout, de savoir raconter dans l'entreprise ce que vous faisiez. Ça, ce n'était pas si facile que ça. Voilà, puis marathon, pro bono, des fois les gens ont du mal à comprendre. Voilà, il faut trouver les bons mots pour expliquer. Mais ce qu'on trouve très intéressant, c'est quand quelqu'un n'est ni engagé, ni prêt à s'engager, mais a juste cette petite appétence qui ne sait pas trop définir, on lui dit, vous inquiétez pas, venez juste un jour, juste une journée. C'est pas grand-chose, pas d'engagement promis, juste une journée. Alors que ça soit sur temps de travail, si l'employeur veut bien, c'est son problème. Si l'employeur n'est pas d'accord, bah prenez une journée de RTT, c'est pas un malaise. Hein. Voilà, on en a des journées de RTT, on cherche bien. Voilà. Et venez juste une journée. Et grâce à Pro Bono, on fait goûter l'engagement. Venez goûter à l'engagement. Les gens, et puis je reviens sur les histoires qu'on a entendues, ils découvrent une association, ils découvrent qu'ils sont capables, ils découvrent qu'ils aiment ça, ils découvrent que c'est un plaisir de travailler avec d'autres, ils découvrent que le soir, ils sont fatigués, mais quand même vachement contents. Et puis ils se disent, mais finalement, puisque je suis capable, que j'aime ça et que c'est utile, pourquoi pas continuer ? Voilà. Alors que ça soit avec Pro Bono sur un aspect plutôt conseil, que ça soit avec Unicité qui fait des choses absolument formidables, hein. Les journées team building solidaire avec Unicité, allez-y, goûtez ça, c'est juste une journée. Puis en plus, c'est facile à expliquer aux managers parce que team building, ils connaissent déjà. Voilà. Ça évite d'avoir un choc culturel trop grand. Mais eux, c'est du team building, il est juste solidaire, mais c'est pas grave, quoi. Hein. Alors, voilà, ils savent que c'est un budget. Voilà. Les managers, ils savent qu'il y a un budget pour le team building. Ils savent que c'est sur temps de travail. Et donc, vous les prenez voilà, dans le sens du poil. C'est juste un team building un peu différent. Allons-y. Alors, on va faire le team building avec Unicité, et puis on va faire telle ou telle chose, défricher, repeindre, construire, porter des caisses. Banque alimentaire. Banque alimentaire, il y en a une à Lyon hein, qui est super. Juste une journée. Juste une après-midi, juste un coup de main. Et à partir du moment où on a goûté juste ça, eh bien ça y va. D'où notre partenariat, puis j'arrête premier midi parce que je vois que vous regardez la montre. L'idée c'est ça, c'est que notre monde est incroyablement riche de potentiel. Tout le monde a une compétence utile à l'autre. Tout le monde a envie de se rendre utile et non d'un chien. Notre monde, il en a besoin. Vraiment. Voilà. Alors si vous arrivez en tant qu'entreprise ou en tant qu'association, à faire en sorte que des gens puissent se réaliser et être heureux, plus qui c'est le chef, chief of happiness. Voilà. Arriver à rendre les gens heureux, c'est quand même génial, non ?
Eh ben voilà. Eh ben chacun d'entre vous peut le faire. C'est ça la bonne nouvelle de ce soir. Donc appuyez-vous sur les réseaux existants, appuyez-vous sur Pro Bono, appuyez-vous sur Unicité. Mais vous avez tous, chacun, chacune d'entre vous, la possibilité d'être utile et d'engager des gens autour de vous. Allez-y. Merci Denis pour ce mot de conclusion. Merci à l'ensemble des intervenants pour votre participation et votre témoignage. Donc vous l'aurez compris, il y avait 3 tables rondes ce soir et il y a 3 étapes de la stratégie d'engagement selon Denis Bouchard. Et il y aura l'occasion d'en discuter un peu plus amplement avec lui et avec tous les autres participants ce soir. Je vais donner la parole à Clémence Vuilcard pour le mot de la fin. Un rapide mot de la fin. Merci à tous les intervenants, en tout cas déjà, parce que c'était un temps de partage très enrichissant et très inspirant pour nous tous. Je tiens aussi à remercier une nouvelle fois Groupama Rhône-Alpes-Auvergne pour son accueil vraiment très chaleureux ce soir. Nous sommes ravis d'être ici. Et avant de terminer, je voulais vous parler d'une dernière petite chose. Nous organisons début octobre un événement pro bono de grande ampleur sur Lyon. Ça sera une journée d'engagement des compétences à plusieurs entreprises. Nous avons baptisé cette opération Lyon Pro Bono Factory, engageons nos compétences pour le bien public. Ce sera un grand moment d'engagement citoyen, suivi d'un mois d'accompagnement pour des structures à finalité sociale. Un moment qui réunira plusieurs entreprises, fondations, mais aussi différents publics, comme toujours, des demandeurs d'emploi, des étudiants, des retraités ou de simples curieux. Alors si vous êtes intéressé pour nous rejoindre dans l'aventure et pour engager vos collaborateurs dans une expérience d'innovation sociale inédite sur la région, n'hésitez pas à venir nous en parler après, lors de la soirée et du cocktail. Alors un grand merci à tous pour votre présence, encore une fois. Merci aux intervenants et je vous invite à poursuivre nos échanges autour d'un verre dans la salle d'à côté. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous.